C'est le 25e épisode, on est toujours dans ce qui pourrait bien être le... Oh non, encore un téléporteur. Ce qui pourrait bien être le dernier donjon du jeu. Avec des téléporteurs partout, une armure du samouraï qu'on vient de trouver. Et ces histoires de téléporteurs m'embêtent beaucoup. Et voilà, bien sûr, il y en a encore un là. Donc ça, c'est absolument... mince. Absolument terrible. Bon, au moins les téléporteurs dans ce jeu ils sont tous à double sens, c'est à dire qu'on peut revenir quand on en prend un, on peut revenir en arrière, mais bon. Ah d'accord, donc là je suis en train de relier vers là où j'étais juste avant, je crois, vers la fin de l'épisode précédent. Je suis venu ici, j'ai dit oh non un téléporteur et je suis revenu là. Donc là, je suis déjà venu. Ouais. J'étais arrivé de là. J'étais allé en haut, j'ai fait demi-tour, je suis venu ici. J'ai trouvé l'épée, l'armure de samouraï, et je suis allé là. Donc j'ai pris celui-là à l'instant. Maintenant, je vais aller par là. Cool. Donc là, je suis pas vraiment sûr d'avoir tout visité. Tout ce que je pouvais. Mais à mon avis, ici, je suis sur le bon chemin. Saleté de miroir. Tu n'es pas mon beau miroir. Hop. Ah, j'aime bien l'étoile quand même. C'est une arme super cool. Ça alors, un téléporteur, c'est incroyable. Vérifier les murs parce que je sais que les concepteurs de jeux sont des sadiques. Ah. Alors, où sommes-nous? Oula, on est revenu ici. Donc là, je tourne en rond. Bien sûr, les labyrinthes les plus difficiles, c'est pas ceux où on se retrouve tout le temps dans des impasses. C'est ceux où on tourne en rond. Parce que c'est beaucoup plus difficile de savoir par où il faut pas aller. Donc, je pense que l'entrée, c'était par là. Ouais. J'ai quand même allé rejeter un coup d'œil. Ah oui. Et je sais que j'ai battu dragon. Ok, d'accord. Donc ça, au moins, c'est clair. Mince. Excusez-moi. Le plan. Donc là, dans ce petit secteur, je viens d'aller en bas et maintenant je suis à droite. Après, je peux encore aller en haut ou à gauche. Aïe. Donc, sachant que en haut... c'est... Non, c'est là que c'est fermé à clé. Non, c'est pas là. Je crois que j'étais allé en haut tout à l'heure. Enfin, dans l'épisode d'avant. Fermé à clé. Hein. Non, j'étais allé là dans l'épisode d'avant. Je suis sûr d'y être déjà allé. Et là, il est pas impossible que je sois jamais allé là.
Ah si, j'y suis déjà allé. Aïe. Donc là, je suis déjà allé aussi, mais il me semble qu'à un moment j'avais fait demi-tour. Au moins j'avais j'avais essayé de faire demi-tour. Ah oui, voilà, j'étais pas allé partout là. Ça y est. Je m'étais dit à un moment donné. Oui, ça c'était une impasse. J'étais allé par là. Je m'étais dit à un moment donné. C'est sûrement la suite, donc je vais déjà aller vérifier que j'ai tout visité dans ce cas avant. Je pense que j'ai bien fait puisque ça m'a permis de trouver l'armure. Voilà, j'étais venu jusqu'ici et après j'ai fait demi-tour. Bon. Nous voici de nouveau sur les rails. Bien sûr, on a le choix entre un téléporteur. Même le plan il est dans le noir, c'est rigolo. Et. Oh. Et probablement un deuxième téléporteur. Ouais, c'est mon pronostic. Fermé. Oh, zut alors. Donc du coup, ce coup-ci, je vais essayer d'être un peu, tout petit peu plus économe et de visiter d'abord celui qui ne demande pas de clé. Ok. Je suis dans un nouveau secteur. Continuer à sauvegarder de temps en temps, ça peut toujours servir. Toi. Ah, ça marche pas. Oh là là, c'est quoi cette énigme? Ah, il faut que je lance un coup de gel. Ça m'a l'air assez astucieux tout ça. Allez, on va essayer. Yes! Ah, ça va être difficile d'atteindre ce coffre. Donc là, c'est très probablement la suite du jeu. Alors, j'envisage de faire demi-tour. Aïe! Ouais, allez, demi-tour. Parce que moi, je veux finir les jeux à 100%. Et s'il y a un autre équipement du samouraï à trouver, je veux le trouver. Après, c'est pas toujours évident de finir les jeux à 100% parce que... Non, alors attendez. Soin. Il est bien possible qu'il nous fasse le coup du jeu où... Ah, merde! Ah, c'est vrai qu'on a presque aucune défense quand on est anémié. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, finir un jeu à 100%, si ça implique de devoir tuer des ennemis qui donnent un trésor une fois sur 1000, je vais pas vous infliger ça, hein. Vous inquiétez pas.
Parce que par exemple, dans Secret of Mana, trouver toutes les sphères d'armes, c'est à la limite de l'impossible. D'ailleurs, j'ai jamais réussi. Un jour, je ferai un let's play de Secret of Mana. C'est par là que je voulais aller? Oui. ...428 points de vie, c'est pas mal. Plus que 4 clés. Là, quand j'entame mon dernier trousseau de clés, c'est le moment où je commence à stresser. Alors, lui, je pouvais le tuer avec l'épée du dragon. Ah, il donne rien ? Non mais attendez, c'est quoi ce bazar? J'ai dépensé une clé pour venir jusqu'ici. Et on ne me donne aucune récompense. C'est du vol, tout simplement. C'est du pur vol. Tourner directement vers notre escalier. Et on va peut-être affronter un nouveau boss. Alors, magie du gel. Mais déjà, j'ai essayé de tuer le premier méchant. Vas-y, rapproche-toi un peu plus encore. Là, t'es un peu loin. À mon avis, si je fais ça, ça va pas marcher. Ah si, c'est bon. Hop. Ah bah c'est le même. L'épée du dragon, ça marchait pas trop mal. Et la magie de la vie, bien sûr, comme dans tous les boss. Donc c'est Dragon Bis, c'est le frère jumeau. Sur le côté, ça marchera peut-être mieux pour atteindre la tête, quoique. Ah, ça marche pas. Ça y est. J'ai vaincu. Dragon. Ah, il était rouge! Ah, d'accord, j'avais pas vu le rouge, moi. L'autre c'était dragon, et lui c'est dragon rouge. Bon, c'est par où la fin du jeu, s'il vous plaît? Ah, je demande mon chemin au passant et il m'agresse. Alors, j'ai trop d'objets? Ah non. Bon, bah c'est bien. Plan. Nouvel étage.
Aïe, 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 j'ai mal, aïe. Complètement raté. Oh non, téléporteur. Alors, tiens, on va prendre de l'éther. Vu qu'on en a plein. Encore un élixir. Donc, on a un téléporteur de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'on a vers là-bas? Ça alors, un téléporteur. Ce jeu est parfois plein de surprises. Bon, bah on va essayer celui-là. Maintenant, encore un tout autre endroit. Une petite sauvegarde peut-être. Hop, hop, hop. Aïe. Ah d'accord. Bon. Donc maintenant on a le choix entre trois téléporteurs. Et bien on va commencer complètement au hasard par celui-ci. Si ça se trouve, il va nous renvoyer au premier. Allez! Et voilà, encore de l'éther, tant mieux, tant mieux. Alors, ok, on a encore un nouvel endroit. Sachant qu'il nous reste deux téléporteurs en arrière qu'on n'a pas encore visités. Allez, Exeter. Bah. Je viens de consommer un Exeter et pourquoi j'ai toujours trop d'objets? J'ai pas tout compris là. Fermé. On n'est pas dans la merde, hein. Trois clés. Oula. C'est le moment où on aimerait bien que les ennemis nous donnent des clés. Ah, mais maintenant je me souviens, il y a des ennemis qui
C'est pas impossible que certains types d'ennemis nous donnent régulièrement des clés. J'ai un flash comme ça. Un souvenir qui revient. Je me demande si c'est pas les squelettes. Faut peut-être pas que je les tue en fait. Si je veux aller là-haut. Là, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Allez, au hasard, je vais essayer par là en premier. Voilà, c'est raté. Je vais aussi vérifier les murs. Bon bah vu que je suis obligé de revenir en arrière, je vais essayer d'aller voir les deux téléporteurs, deux autres téléporteurs qui nous restaient. Waouh. Ah tiens. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus ceux-là. C'est celui-là, et il me restait aussi un autre qui était encore plus loin derrière. Non, je peux faire ça. Ah, je suis là, tiens. C'est intéressant. Fermé, oh non. Moi, c'est abusé. Bon, j'ai sauvegardé. J'ai essayé de dépenser une clé, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Ok, salut à tous, merci.